Choc FM. Hey! Lumière reggae! Tous les vendredis soirs sur Choc FM de 20h à 21h. Hey! C'est pour ça que nous fait ça, Massive. Yassai Massive, bienvenue dans cette capsule web présentée par Lumière Reggae. La fin de semaine du 20 août dernier avait lieu la 8e édition du Festival International de Reggae de Montréal. Alors la chose s'est passée sur les quais du Vieux-Port et c'est avec un immense honneur qu'on a représenté Choc FM pour vous rapporter un compte-rendu de ce big événement. Il faut justement préciser que cet événement est le plus gros en la matière au Canada. Marunja était présent, moi-même Ti Fabio, ainsi que mes selecta du Creole Soulja Sound System, DJ Nikki, DJ Juicy B et DJ Chilk. Plus besoin de vous présenter le Creole Soulja Sound System. Depuis la toute première émission de Lumière Reggae, c'est sur leur mix que vous whinez à tous les vendredis soirs. Bon ben là franchement, déjà gros big up, Lumière Reggae sur place, Ti Fabio, donc Noéla nous fait le travail. On est là pour justement prendre un petit peu les impressions de toutes les communautés qui sont présentes. Mais bon, ça reste assez anglophone, je vois. Les vibes sont bonnes quand même. Hein. Mais je pense que d'ici les prochaines années, avec le travail qui se passe, eh ben, il y aura une plus grande place à la francophonie dans ce festival. En tout cas, nous, ben, nous serons là pour ça. Et le travail pour ça. Voilà, et le travail pour ça. Donc voilà, on est là, on prend sur le vif, et voilà, nous fait monter avec les images, regarde bien, écoute. A noter qu'ils étaient sur place pour représenter Chiz FM, la radio de Québec City, sur laquelle ils ont leur émission à tous les samedis après-midi des 18 à 19h, Creole Soulja Show. Comme tout festival reggae qui se respecte, la bonne ambiance était palpable sur le Vieux-Port. Amateurs, connaisseurs, curieux, nostalgiques, jeunes, moins jeunes, tous étaient rassemblés pour l'amour du reggae music. Alors durant toute l'après-midi se sont enchaînés sur la scène divers artistes plus ou moins connus, underground, de Jamaïque et du Canada, ainsi que des selecta qui étaient là pour faire monter la pression. Big up Blackout Sound System pour son set. Parmi ces artistes underground, on a pu découvrir entre autres Don Skilachi, Sustain, Daddy Ghost, a.k.a. Soka Gladiator. Alors lui nous vient de Saint-Vincent, il reste à Montréal et il est très actif dans le mouvement Soka Carnaval Caribéen dans la métropole. Yeah man, this is Daddy Ghost, dancer, Soka Gladiator, picking up Creole Soulja Sound System, DJ Tech, DJ Nikki and Juicy B, Quebec City, United Islands, every Saturday from 6 p.m. to 7 p.m. CHYZCA. Un de nos coups de cœur du festival a été la découverte d'un artiste très talentueux de Montréal et d'origine jamaïcaine, Dan Faya Beats, un artiste complet et très envoûtant sur scène. Il a notamment performé en duo avec Joyce, une artiste montréalaise très talentueuse également. Because something about you, yo, makes me feel so brand new. My love is 24 7. Anytime you see Fire Beast, it's always the same, more fire every time, but you know, straight culture, straight righteousness, so you can expect like roots, mostly roots culture, and you can expect a high part of the show, take the people, give them some energy, you understand? God bless. Yeah, man. Rastafari. Yeah, this is Dan Fire Beast, big up Lumiere Reggae, Shock FM, every Friday. You see me, I say, cause real good people know the struggle, aye. Real good people stay humble, aye. Real good people stand firm in their faith, aye. Real good people know the struggle, aye. Real good people know the struggle, yeah. And real good people, a good music, you don't know we apply. Sure.
Selassie. Alors sur le site, on a pu croiser un soldat qui fait le travail à Québec, la vieille capitale de la province. Il s'appelle Neto Youth, il fait beaucoup parler de lui ces derniers temps sur internet et il nous a donné ses impressions sur le festival. Tout est bon, tout est blessed, tout est boom. Love, fire est là, no, fire fait blessed still. Un peu déçu que le goalie guard soit pas venu. Bon, c'était déjà... On savait qu'il avait un concert en French Guyana déjà. So, on savait qu'il allait pas être là, mais bon. Je trouve que c'est un coup un peu tordu de la part du festival. Neto Youth est l'un des artistes les plus prometteurs et les plus talentueux du Québec, alors allez voir sur sa page Facebook Reverb Nation, qu'est-ce qu'il fait, vous serez pas déçus. Me try to sell a liquor, but me get cut by a informer. What a disaster, a saga. For me get a daughter, me a fitting smarter. No tell fit in a shot, no tell fi lava. Tell them say it's getting salter. Long time we no make no sacrifice upon the altar. Ooh. It's getting harder, harder, yeah, harder. Me a beg you father, Abba, yeah, Abba. Lumière reggae one soldier, Abba, yeah. On a pu croiser le Singe Dancehall, Javinci, considéré comme un des meilleurs jeunes artistes jamaïcains émergents. Il est en effet monté en flèche ces trois dernières années et il est très apprécié de la nouvelle génération. Et les morceaux Money et Wipe Those Tears ont notamment contribué à sa grande popularité. Montreal are the maddest place to be when the Sun Fest them and the Holy Fest them are going, is it? A mad thing, is it? Right now Montreal turn up and like say, I'm there here and I feel comfortable around the people them. So I just feel good say Montreal accept me, so big up Montreal, is it? Well it's a must, you know, because the people them done a book me up for a Holy Fest show because them accept my performance and everything what me I do. Them welcome me and you don't know from me I get good welcome and good support. You don't know where for just come do work because everybody I expect for see Javinci. So why not make them see Javinci? Yeah, you don't know Javinci, I love me here reggae. You don't know now every Friday now. The maddest thing from 8 to 9 p.m. You see it? Sick! Watch your friends that you smoke with and run joke with! On a rencontré Wayne Pation qui est un cuisinier. Il vous présente son show Reggae Kitchen sur internet. My show is about cooking. But not only that, I interview the reggae artists, I promote them, I let the world see their lives from straight from in the kitchen and the whole realness straight of from it. Jamaica. Straight from Jamaica, straight from around the world. We bring them the best of the island cooking and the best of reggae music artists from Canada and the world. Right now the show has been on YouTube and on net for almost 9 months, 11 months right now, and we have over 150,000 people religiously watching every day, and you're blessed. It's just going crazy because reggae music just get the chance right now where more people can see in a different format. Sharing the love from the kitchen, straight from the kitchen. Yeah, the belly thing, you know what I'm saying? It's just one of those things that that's just right. Nice, and I just want everyone tune in to reggaekitchen.ca, Wayne Pation, and just go crazy with this sitting car. This sitting mad! Une des grandes attentes de ce festival était le concert de Gypsian. Artiste productif qui ne cesse de grandir et de faire parler de lui depuis plus de 10 ans. Beaucoup de monde l'ont découvert l'année passée avec la sortie de son titre Hold You qui a fait un carton international. Son show était vraiment à couper le souffle, du début jusqu'à la fin. C'est vraiment une bête de scène. I love you.
Le show a duré une heure et je pense que le public était très satisfait. De retour sur les quais du Vieux-Port le dimanche, une ambiance toujours aussi palpable et bon enfant dans la foule. Si le samedi était majoritairement axé vers le dancehall et la nouvelle génération de reggae qu'on appelle New Roots, le dimanche était quant à lui placé sous le signe du Roots Reggae Music Foundation, avec entre autres les prestations de Third World et Beres Amon. Third World est un des piliers du reggae music, présent depuis 1973. Dès 1975, ils font la première partie de Bob Marley et les Wailers lors de leur tournée européenne. Puis ils montent en flèche avec la reprise de deux Abyssinians, Sata Masagana, présente sur la bande originale du film Rockers ainsi que sur leur premier album. Look at that flower over there, blooming in the warm spring. Looks like the same flower to me that was there the same time last spring. The spring lives. Staring at the people, hey. And it will never, 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 it will never die. Listen, oh, Marcus Garvey in the dawn, he told us people, you've got to be strong. One God, one aim, one destiny. Let Marcus Garvey live in you and me. Well, everybody here. Puis il rencontre un succès planétaire avec 96 Degrees in the Shade, sorti en 1977 sur leur deuxième album. A savoir que cette tune-là, 96 Degrees in the Shade, est un des classiques les plus écoutés à travers le monde et qui joue encore sur les platines des Selecta aujourd'hui en 2011. Alors s'ensuit après la sortie de ce tube une longue carrière bien remplie et mouvementée. Et ils se produisent jusqu'à ce jour sur les scènes du monde entier, pratiquement 40 ans après leur début, continuant de partager l'amour et de faire vibrer leur public qui leur rend bien. À noter l'énergie débordante du chanteur Bunny Clark sur scène, franchement je pense qu'il y a beaucoup d'artistes de la nouvelle génération qui ne le suivraient pas honnêtement. Cat Core, un des membres fondateurs, guitariste et violoncelliste, nous a offert un solo de violoncelle mélancolique et très prenant.
Nous avons pu assister à une très belle prestation du percussionniste de la formation, Tony Williams, a.k.a. Ripshun. Après ce très bon show Back to the Roots, on pourrait l'appeler comme ça, on a eu la chance de checker Carcore, le guitariste, ainsi que Richard Allais, le bassiste de Third World. Bass player for Third World, Lumiere Reggae, every Friday, 8 p.m. to 9 p.m. www.chokfm.com, Montreal, live. Nous n'avons malheureusement pas d'image à vous présenter pour les prestations de Wayne Wonder et de Barry Zammon. Car la pluie tombait trop fort, mais elle a donné au concert de ce dernier un côté magique et inoubliable. L'aura que dégageait ce grand artiste et l'énergie partagée avec la foule conféra vraiment une atmosphère spéciale pour le dernier show du festival. Et il nous surnomma affectueusement les Umbrella People. Mis à part l'absence remarquée de Mavado, cette 8e édition a été appréciée du public et je pense une réussite. Dommage cependant que la francophonie soit si peu représentée. On envoie un gros big up à tous les protagonistes sans qui cet événement n'aurait jamais eu lieu, des organisateurs aux bénévoles, et on souhaite une longue vie au Festival International de Reggae de Montréal.